Hey Yomina, c'est Maître de Rien, on se retrouve pour une autre vidéo sur League of Legends avec cette fois-ci Teemo, son skin Teemo de la section Omega, avec Ezreal et Bard en botlane, Victor mid et Agent Vie, une belle Agent Vie, j'aime bien ce skin-là, en jungler, jungler adverse en la Rengar, en mid laner nous avons Anivia, botlane Jinx Thresh, oh putain, moi je me tape Vladimir, purée. Et voilà, et comme vous avez vu, logiquement, voilà, j'ai fait cette vidéo juste après pour vous, pour voilà, pour le mois, pour l'année 2016. Donc, parce que maintenant nous sommes en 2016, je vous souhaite une bonne année 2016 en même temps, comme j'en profite sur cette, je coupe le son, sur cette vidéo. Voilà. On commence l'année 2016 avec qui? Avec Teemo. Même pas avec mon petit aimer. Voilà. Même pas avec mon petit timer, Emerdinger, mon petit main. J'aurais pu faire un bon petit main Emerdinger pour commencer l'année, mais non, je me suis dit, allez, on prend Teemo. Je lance le jeu, je me suis dit, allez, on fait une petite vidéo Teemo pour le nouvel an. On commence avec cette petite vermine. Teemo, comme vous savez, est un des champions les plus détestés. Ah, non, le plus détesté de League of Legends, hein, pour cause de ses. En grosse partie à cause de son poison, de sa saloperie d'aveuglement, mais surtout de ses champignons. Ces champignons sont la cause pourquoi il est tellement détesté. C'est surtout ça. Parce que tu peux tranquillement te barrer quand tu te fais chase. Tu te barres, tu te pètes un champignon et tu meurs et fuck you Teemo. Voilà. J'en ai déjà eu des fuck you Teemo parce que je me suis. Bah... Yeah. Donc voilà. Teemo est chiant avec ses champignons et plus ça va avancer, plus je vais pouvoir en mettre et éviter les ganks. On va essayer d'éviter les ganks, mais je serai faible face à Rengar. Peut être chiant, sincèrement. Vladimir aussi. Vladimir peut nous emmerder. Mais non, dites-vous que nous on a le poison. Vladimir compte sur son Q-spell pour se régénérer ses vies. Et le Z et le E permettent de lui bouffer de la vie. Plus le poison, ça peut permettre de l'emmerder. Donc je pense qu'il y a des moyens qu'on. Techniquement, il y a des moyens de le gagner. Techniquement. Ah ouais, et si vous voulez savoir comment j'ai passé le nouvel an, bah c'est tout simplement bouffe et lol. Hein. Bon. Là. Ah, j'ai quand même le truc avec le poison. Ah, j'y mets la sauce. Ah ouais. Ah, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Par contre, va falloir gaffe parce que si Rengar revient, bon là pour le moment, il pourrait être emmerdant, mais je peux claquer mon flash et ça me ferait chier de claquer mon flash pour un Rengar qui arrive. Donc on va mettre au moins une ward ici. Et que je pense acheter une pick ward à mettre au-dessus du tribush. Parce que la plupart du temps, les Rengar viennent par derrière pour avoir plus de chances de gank. J'aurais peut-être pu le tuer, mais c'était à mes risques et périls, mais il y aurait des chances. Ah putain, sans le flash, on avait le premier sang. On avait le first blood. Putain, je suis dégoûté, même pas de first blood. On va back, on va back, parce que je crois qu'il y a Rengar dans les alentours, de près ce que j'ai vu. Ensuite, donc, je vous ai dit, on va commencer par, je pense, l'ouragan de Runan. Allez, on prend deux ping ward. Ça peut être toujours bon, parce que s'il nous en pète une, on en met une derrière. Oui, je voudrais commencer par le Runan pour tester. Il y en a des fois qui me disent, oh, mais commence par ça, commence par ça. On va dire Teemo, c'est pas un des persos que je joue le plus. Hein. Personnellement, j'aime bien le jouer de temps en temps. Mais je l'ai pas totalement spammé comme j'aurais pu spammer certains champions. On va mettre une pique là. Ce sont les gentils qui meurent. Oh vas-y, il y a peut-être moyen que tu gankes, qu'on le dégomme.
Vas-y, on va essayer de la pâter. Vas-y, viens, viens, je suis en train de back. Des fois, ça marche, les gros. Les gens, ils vont croire que tu back et qu'il n'y a personne. Non, il voudra pas. Je crois pas qu'il est con. Je crois pas qu'il est con. Il s'est bouffé de la vie. Oh putain, Sylvie fait son, son coup. Et bim, on va le rendre. Allez, Vivi. Allez, Vivi. Oh, GG, Vivi. Oh, alors là, nickel. Elle m'a donné le first blood que j'aurais pu avoir tout à l'heure. Mais là, il avait plus que flash. Donc, c'était obligé qu'on l'avait. Si tout à l'heure, il avait pas son flash, une auto-attaque, il était mort. Voilà, déjà, le premier sang qui nous donne déjà plus de thunes que les autres blood qu'on aura. Et par contre, je vous préviens, l'année, le mois de janvier va être un mois assez calme, que ce soit du côté League of Legends, que ce soit du côté... Je vais reprendre un petit peu du Senran Kaguran, on verra s'il y aura du Senran Kaguran, du Dust on Elysian Tale, du Final Fantasy X, parce que je dois continuer. Mais logiquement, ce sera un mois assez calme, franchement assez calme. Logiquement, hein, ça se peut qu'après j'ai une petite envie de faire une vidéo quand je joue un champion. Là, Timo, ça m'est pété. J'ai sorti Timo, j'ai fait... Vas-y, lance le logiciel de capture et fais bouffer et fais connaître et fais fais bouffer du Timo à tes adversaires. Et c'est ce que je fais. C'est un moyen de. Vladimir, je trouve qu'il y a largement mes chances pour le tuer. Le pauvre, j'ai de quoi vraiment bien poke et lui de quoi s'enlever des vies. Au fur et à mesure, il aura pas de chance. Ah, maintenant c'est bon, on a les champignons donc on va pouvoir en mettre. Par contre, les champignons en début de game avec Timo, vous allez voir, c'est vraiment. Si vous les spammez, hein, si vous mettez des champignons à chaque fois qu'ils sont dispo, vous allez voir à tel point que c'est manavore, vous il faudra vraiment faire gaffe. Mais bon, moi me connaissant, je vais foutre des champignons, des champignons, des champignons pour éviter que Rengar arrive et. Yes, yes, et yes, voilà. Donc, va falloir juste faire un petit peu gaffe. Encore un champignon. En prenant des champignons, l'adversaire sera tellement ralenti, tellement empoisonné, qu'on aura notre chance de dégommer l'adversaire plus rapidement. Allez, mais meurs. Oh, un coup d'éclair que j'ai reçu. Voilà, on augmente le poison. Même s'il le voit, on s'en fout, on pop un champignon. De toute façon, même si on met la race de champignon, il pourra pas tous les détruire parce que le brouilleur optique aura une certaine durée limitée pour les montrer. Donc il les verra au pire des cas, on détruira quelques-uns. Deux, voire trois. Et c'est bon quoi, c'est fini. Voilà, tout pour vous dire en même temps, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Vous êtes bien gavés, vous êtes éclatés. Et voilà, je me répète, mais bonne année 2016 à vous. Je vous souhaite que du bonheur. Tout ce que vous voulez. Allez. Et merci, et je tiens aussi, donc oui, de toute façon, ça tient aux abonnés. Merci, j'ai plus de, pour l'instant, plus de 650 abonnés en, à l'heure actuelle où je fais la vidéo. Et je tiens à remercier plutôt les abonnés qui sont fidèles à moi. Non, mais toi, tu meurs, toi hein, tu meurs, toi. Donc voilà, je tiens à remercier tous les abonnés que j'ai. Voilà, franchement, je vous dis un grand, 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 grand merci. Ça fait plaisir de voir que vous êtes si nombreux à me regarder. Et qu'il y en a quand même pas mal et certains qui me suivent. Plus, il y en a certains, c'est plus pour les vidéos de Serran, d'autres pour les vidéos de LOL. Voilà, vous avez chacun une catégorie que vous aimez regarder. Bientôt, une nouvelle catégorie va arriver. De toute façon, ce sera dit dès que ce sera sûr à 100%, bien sûr. Mais franchement, même si vous. Même, c'est pour ça que je fais une chaîne où il y a plusieurs.
plusieurs styles. Donc, quand je vous propose du Outlast, catégorie horreur avec Outlast, Five Nights, The Evil Within, Until Dawn. Franchement, quand je vous propose dans d'autres catégories de jeux, du League of Legends, que je vous propose aussi du. Comment ça s'appelle? Allez, vas-y. Allez, bouffe. Ah bah, c'est Jean-Michel qui va se les prendre. Ah non. Et voilà, du LOL, comme je vous dis, que je vous propose du Senran Kagura, que je vous propose bientôt une autre catégorie. Ah, lui, il s'est bouffé un champignon. Lui, il s'est bouffé un champignon. Bardo. Ça doit se dire en japonais, Bardo. Voilà. Et j'ai hâte aussi que les bons japonais s'apparaissent, comme vous avez vu, parce qu'il y a les gens. Bon, il faudra un logiciel spécial, je pense, comme pour changer les voix. Mais les voix japonaises risquent d'être excellentes. Bon, voilà, je vous remercie d'être fidèle et de regarder plusieurs de mes vidéos pour certaines catégories que vous préférez plus que d'autres. Donc, je tiens encore à vous dire merci. On va essayer de rester concentré. Dommage. La botte est perdue. Ah non, 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 la botte a moyen d'être récupérée. Mais non, la botte peut être récupérée. My bad, nos problèmes. Non, non, mais y a pas de souci. Au moins, on lui a fait claquer un peu de vie. C'est pas un flash. Oui, parce que lui, il a un double escape. Donc, dans les deux cas, il craint rien. Mais si on l'empoisonne, quand il fait sa flaque, il craint quand même les effets de poison, les effets d'ignite. Hein. Faut pas que ça soit autant fumé que ça quand même, hein. Faut pas abuser. Voilà, regardez, là j'ai quasi plus de mana, ça use. Voilà, c'est bon, maintenant j'ai épuisé mon stack de mana. Vous avez dit, si on utilise tous les champignons, bah. On est dans la merde, tout simplement. Donc je pense qu'on va back, ça sert à rien de rester. Il y a pas mal de champignons qui vont. Il y en a peut-être 1, 2, 3 qui vont dépop. Voilà, on a l'ouragan de Runan. Ouais, j'ai envie de commencer par ça. Pour une fois, depuis le temps, je commence pas par ça. Mais alors là, j'avais vraiment envie. J'avais vraiment envie de commencer par l'ouragan de Runan. Au fur et à mesure de temps, je change. Je prends de temps en temps des items différents. Mais là, j'ai envie de faire un petit stuff, un changement stuff. Ça se trouve plus que la plupart d'entre vous ont déjà commencé par Runan. Mais dans les builds proposés, la plupart du temps, quand je commençais, ce n'était pas Runan en priorité. Il préférait booster un peu les dégâts magiques de Teemo. Allez, viens, reviens, reviens. Tu vas le bouffer, mon couteau empoisonné, connard. Vas-y, mais gank Rengar. Mon ami Rengar ne gank pas, peut-être pour une seule et unique raison que il pense avoir des champignons. Au pire, il prend le brouilleur optique, puis voilà. Allez, toi, de toute façon, tu vas te bouffer. Pourquoi il a mis une pick ward ici? D'où l'utilité de mettre une pick ward ici. Parce que voilà, on a juste à rentrer dans le bush et. Bah, il a pick ward quoi. Et on gagne 30 PO quoi. 30 PO, c'est du free quoi. Avec free, tout est compris quoi. Ok, c'est bon, j'arrête mes conneries. Ouais, pourquoi no back? Bon, dans la botlane, ils ont l'air d'un peu galérer, quoi. Pff, si on repose un truc, ça va nous faire quoi? Plus de points de mana, quoi. Non, j'aime bien ce skin de Teemo. Ça fait un petit changement de voix. Les animations, bien sûr, comme c'est un skin légendaire de Teemo. Mais franchement, je l'adore ce champion. C'est vrai que c'est une petite saloperie. Et il n'est pas vraiment spécialement dur à jouer. Ça, c'est sûr. Mais franchement, je le trouve. Franchement, je l'aime bien. C'est un champion que j'adore personnellement.
Il est plus là. On va tenter. Ah, il y a moyen de la péter avant qu'il arrive. Voilà. Et je pense qu'on va pouvoir tranquillou back. Donc là, est-ce qu'on va partir? On va changer un petit truc. Est-ce qu'on va sortir sur un petit... Donc les bottes pour pénétration. Est-ce qu'on part sur un bâton du vide ou un rabat... Un bâton du vide pour la pour un peu de... Pour la magie. J'avais un code d'honneur autrefois. Ah, pas mal. Ah, Vi va avoir le Drake. Nickel. Rengar n'a pas contesté. Nickel. Nickel. Allez. Là, va lancer une de ces conneries qui va me geler. Je parie à Nivia. Ah non. Ils sont... Et qu'est-ce qu'elle a fait? Mais Vi, je voulais t'aider pour parer. Mais Vi, qu'est-ce que t'as fait? Bon oh bah t'es morte, Vi, c'est la vie. Hein. Ok, ça va hésiter à venir. Et Anivia qui va vouloir venir me faire chier. Et Anivia qui m'a fait chier. Techniquement... Moi je vais retourner au top, même si j'ai pas beaucoup de mana ni haute, ça pourra m'aider. La taille est un désavantage. Ah, je dépush et je commide. Ah, j'essaye de marquer comme je peux, je suis nul en anglais, hein, vous savez bien. J'essaye de faire comme je peux. Voilà, Victor a tué Anivia, déjà c'est good. Déjà ça c'est nickel, on va mettre une ward champignon. On doutait qu'il venait, mais il s'est pas pris le champignon. Ah, il a bien passé sur le côté. Je m'adapte pour vaincre. Est-ce qu'il y a moyen d'aider le botlane aussi? Si au moment, au pire des cas, j'ai de quoi TP au top, mais bon. Jinx, à 3 kills. Ben voilà. Quoi, je me fais un petit kiff. Mais oui, je sais, ça se fait taper au top. Y'a Vi qui va y aller. Voilà, bah il s'est barré de toute façon. Il sentait la connerie, il sentait la connerie, c'était obligé. C'est moi qu'il recherche tous. Il sentait bien la petite connerie là. Bon, attends, je vais y aller en cas qu'elle n'arrive pas à le tuer, mais ça m'étonnerait. Ah bah voilà, c'est cool, j'ai utilisé mon TP pour rien. J'aurais dû regarder Teamfight. J'étais à l'aveugle comme ça, tranquillou, mais bon, pff, on va essayer de dépush hein, avec Vi. Ouais, je pense qu'on peut y aller. Il n'y a pas de Rengar. Le mid n'est pas encore tombé, la première tourelle. Il va falloir essayer de la faire tomber. Ah, je sens un Anivia.
Non. Eh ben oui, Anivia est là. Ça fait mal le petit Victor à force, hein. Allez. Oh, les dégâts du laser du Victor, quoi. Laisse tomber. Allez, un kill pour Bibi. Et un kill pour l'autre. Allez. Go. Ah, j'ai préféré flash, mais j'aurais peut-être pas dû. Peut-être un petit flash pour rien, pas grave. Je crois qu'on va faire gaffe, on va poser juste ça. Et tête back. Oh putain, j'ai vu les dés. C'est pas grave, espérons qu'ils vont pas me choper. Mais ils auraient pu croire que je suis là. Pour l'instant, ça se déroule bien. Pour le moment, franchement, c'est plaise. C'est plaise de chez plaise. Le cœur extec MKL. J'ai pas réellement bien joué encore le Victor. Je tenterai de mieux jouer. Victor, je l'ai testé une fois quand il était gratuit. Pour ça, pour le fun, quoi. Mais c'est un bon champion. Je préfère pas que le dragon il est là, il a pas encore été pris. Je n'ai pas de TP pour y aller, il n'y a pas de ward non plus. À part dans le champignon, dans le bush là-bas du bas. Ok, est-ce qu'ils vont remonter par là? Oui, il y a des chances, il y a des chances. Je suis un peu squishy. Ok, oh putain, je me suis mis dans la... Une bonne petite trappe à la con. Voilà, que je laisse les tankies passer devant et moi un dernier, parce que sinon je vais faire déboîter. Je vais connaître la douleur, mais puissance augmentée, quoi. Ah, Thresh, il est mort. Thresh, il a mouru. Oh, t'as mouru, saloperie. Oh, t'as mouru, saloperie. Putain, il meurt pas, le Vlad. Ah, si, il est mort. Oh, il va me tuer. Oui, il va me tuer. Putain, j'aurais pas dû revenir en arrière. J'étais pas revenu en arrière, c'était bon pour moi. J'hésite entre Zonia et Riley. Entre Zonia et Riley. On va plutôt, je pense, vraiment partir sur Zonia. Sur le Riley, c'est vrai que c'est... C'est bon le Riley, quoi. Ça a un bon effet secondaire, un bon effet passif, mais je préfère le Zonia dans les deux cas.
peut changer la guerre. Non, Rengar, loupé, loupé, loupé. Voilà, elle crève, Rengar. Tu vas pas résister, je te le dis, mon gros. Allez. Pour le moment, on y va, et on y go, Victor. On en pose 3 là. Eh bah nickel, allez, fallait pas faire chier Thresh. Ah bah ils se rendent. Bah non, mais c'est pas marrant. Laissez la petite saloperie gagner. Oh non. Bon. Bon bah j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une dernière fois dans les vidéos de LOL, je vous souhaite une bonne année 2016 à vous. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. On se retrouve très bientôt et à la prochaine pour une autre vidéo sur League of Legends. Ciao ciao Mina.